Salut à tous et soyez les bienvenus, sejam bem-vindos. Pronto. Salut à tous et soyez les bienvenus, estamos aqui para mais uma aula de conversação. E hoje, gente, eu terminei de gravar agora, praticamente. Então, eu estou toda meio improvisada ainda, enquanto a Amanda Lorenzon, que é a ativadora de hoje, vai entrando por aqui. Amanda, où es-tu? Que fais-tu? Ansiosa aqui para reencontrar a Amanda, que a Amanda, ela é uma ativadora de muito tempo. Eu já nem lembro mais. Eu acho que ela entrou em dois, no máximo ela entrou no começo de 2020. Aqui, ó, ela já chamou. E aí eu vou explicar aqui, enquanto eu vou chamando a Amanda, eu vou explicar para vocês só como funciona e eu enquanto eu tô fazendo meu chá e você entrar no lugar certo, Amanda. Pessoal, para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Elisa, do Elisa, professora de francês, fazendo um chá francês para acompanhar minha aula com a Amanda, que é um thé de verveine, une tisane, en réalité. E essas aulas de conversação com ativadores são aulas em que eu chamo um aluno, um ativador do meu programa completo de francês ativo, para fazer uma aula de conversação ao vivo comigo e vocês assim têm a oportunidade, primeiro, de ver como é uma aula de conversação, segundo, de treinar o seu ouvido em francês para poder aprender mais francês e aprender com os erros de outra pessoa. E às vezes, quem já é ativador tem também a oportunidade de ver que não precisa ter medo, que aliás, o medo é uma coisa que sempre vai estar presente nas nossas vidas, mas a gente só evolui se a gente vencer, né? Se a gente ultrapassar essa sensação de medo. Então, fica o meu convite, Amanda, je vais te répondre. E aí, lembrando, agora estou chegando no meu lugar, hein? Lembrando que essa aula é uma aula de fato de conversação e por isso eu fecho a área de comentários, né? De curiosa para conversar com a Amanda. Où es-tu, Amanda? Oh, Amanda! Comment Salut! vas-tu? Ça va bien? Tu vas bien et toi? Je suis très contente de te voir, de te revoir. J'ai beaucoup pensé à toi. Quel temps! Oui, ça fait très longtemps. Longtemps, C'est vrai. longtemps. Je suis tellement nerveuse. Pourquoi, Amanda? Il n'y a aucune raison. Et aujourd'hui, Parce qu'il y a oui. beaucoup de temps que je ne parle pas français avec personne. Pourquoi? Parce que mon groupe. Epa, falhou aqui. Eu não sei se... Ah, voilà. Voilà. Ton groupe? Ah, mon internet est tellement mauvaise aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent. Devant? Devant? Oui, beaucoup de vent, oui. D'accord. Parce que mon groupe, c'est un petit groupe et tout le monde sont ses nous avons fait un groupe pour parler toute la Français. semaine Oui. français, seulement français. Et Tu es de quel groupe? J'ai oublié, Amanda. Tu te souviens? Du groupe 7. D'accord. Oui, mais les personnes sont des groupes différents, sont des différents. Il y a De beaucoup de différents. gens de différentes classes. Ce sont des personnes avec qui veulent la même chose et tout ensemble pour parler français seulement. D'accord. Et deux personnes que j'ai parlé beaucoup pendant les périodes de la pandémie. La première personne est aujourd'hui habite en France et c'est tellement difficile de parler avec elle. Et c'est qui? C'est qui? C'est Octavia. Otavia, oui. Oui, c'est des groupes, je pense que 8 ou 9. Elle aujourd'hui fait son master dans la France, en En France. France, Et oui. l'autre, c'est. Oh, j'ai oublié le nom de Tu lui. as
On dirait, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. J'ai trop de mémoire. Oui, oui, c'est Flavio. Flavio. Ah, Flavio, il a peu disparu. C'est mon ami aujourd'hui. Et où est-il? Pourquoi tu ne parles plus tellement avec lui? Parce qu'il a commencé un nouveau travail. Ah, je suis contente de savoir ça, parce qu'il était sans travail pendant Oui, moi aussi. Et aujourd'hui, il n'avait aucun temps dans les mêmes périodes que moi. D'accord. C'est ça que... Amanda, si je me souviens bien, tu vas me dire si je me trompe, mais si je me souviens bien, tu partais au Canada. Mais non. Parce que juste après, la pandémie a commencé, oui. Non? Oui, c'est vrai. C'est mon temps, mon période limite, c'est septembre de l'année dernière. C'était ta période limite pour partir au Canada? Oui, oui. Et mais pourquoi? Parce que les cours, j'ai fait un cours d'un domaine spécifique au Canada. J'ai comme étudiante. Je pourrais faire les cours, mais d'ici au Brésil. Mais un diplôme, une garantie. Garantie de réussir tout ce temps comme une période comme si j'étais au Canada. Pour les autorités, toutes les choses. Et avec le prix du dollar augmenté beaucoup. Et faire cette cour d'ici au Brésil, c'est devenu trop cher. Trop, trop cher. Mais si j'étais au Canada, c'est une chose, c'est une option parce que je pourrais travailler et mon mari la même chose. Mais d'ici au Brésil, c'est une chose inviable à ce moment. Et mon visa a terminé le décembre de l'année dernière. Non. Et, oui. Et comment on peut dire? Je devrais commencer le processus de nouveau. Oui, oui, et c'est tellement cher, tout le process et probablement 6 mois pour finir tout le process. D'accord. Oui. Oh. Je n'ai pas désisté de mon rêve. Et ton rêve, Amanda, c'est d'habiter au Canada? Oui, oui. C'est un rêve d'enfance. Ah oui? Oui, oui. D'habiter dans un autre pays, mais le Canada, c'est un pays que je suis... il y a c'est différent pour moi. Tu peux dire comme ça. Le Canada, c'est un pays qui m'attire. Tu peux dire comme ça, qui m'attire. Qui m'attire, ça veut dire qui m'attire, qui m'attire. Oui, c'est qui m'attire. Mais pour mon mari, même mon mari avait... il avait... était là-bas l'année de 2020. Il a passé 40 jours là-bas. À travail? Non, seulement pour les études et pour savoir comment c'est le pays. Parce que, comme tu sais, j'étais une petite fille
Oui, Petit-fils et pour j'ai ça, un j'ai, petit, ah j'ai un oui. fils, oui. J'ai un fils et de savoir si c'était Si une c'était bonne une bonne option. chose pour lui. Et quel âge Mais a ton c'est fils ça. maintenant? 5 ans. Attends, tu es du groupe 7, donc tu as commencé en 2019, 2019, oui. fin 2019. Août Août 2019, d'accord. 2019. J'ai continué à étudier le français tous les jours. Aujourd'hui, j'étais à lire un livre en français. Pour moi, le français, c'est une chose presque un bras. Oui, ça fait partie de ta vie, c'est très Oui, bien. je parle tous les jours avec moi-même. Et Amanda, quand tu as commencé le programme, tu savais ou tu savais zéro, je ne me souviens plus de ça. Tu savais un peu de français ou pas du tout? Tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Ok. Je savais un peu parce que présentiel, mais c'est un peu spécifique pour les Français au Canada. Mais pour 6 mois et un peu, et 1 ou 2 mois particulières. Mais comme j'ai choisi d'aller là-bas avec comme étudiante, j'ai pensé que c'était un cours que je pourrais étudier tous les jours. C'est une chose meilleure qu'une chose une fois par Une fois par semaine. semaine. C'est ça. Et dans cette période, j'ai déjà suivi à toi. Je te suivais déjà, je te Suivais, oui, suivais c'était déjà. déjà à toi. Et j'ai envoyé un message. Et tu m'as répondu. Et les premiers jours que tu as ouvert les Les inscriptions. inscriptions, j'ai fait. Ah, super. Et je me souviens, tu étais du même groupe que Flavio, non? Non, Flavio, c'est deux groupes. Août. Huit? Août. D'accord. Août. Août. D'accord. C'est très drôle parce qu'il y a quelques personnes, je ne me souviens plus de quel groupe vous étiez, mais en général, il y a toujours des gens auxquels je pense. Et toi, tu sais une personne que je pense. Ouais, Amanda. Elle a disparu. Je pensais que tu étais au Canada déjà. Je pensais que tu étais partie vraiment. Parce que je me souviens que juste à la fin du cours, tu as eu l'approbation que Oui, tu étais j'ai envoyé un admise. message, j'ai Je me souviens, je me souviens. Mais tu sais, c'est aussi le type de choses. On est très triste au premier moment quand on voit que ça arrive, mais en même temps, la vie se dessine comme ça. Par les choses qu'on pense, auxquelles avec lesquelles on rêvait, on voulait beaucoup quelque chose. Et tout d'un coup, ce rêve, peut-être que maintenant il a encore un sens, mais peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, tu vas regarder vers le passé, tu vas dire, heureusement que je ne suis pas allée au Canada pour une certaine raison. Mais tu as appris le français, ça t'a mis en mouvement pour apprendre le français. Et oui, dis-moi. Mais toutes les choses qui se passaient pour moi aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses après cette période. J'ai fait un petit texte sur Instagram lundi En dernier, français? non en portugais, Ah, d'accord. mais qui j'ai commencé un nouveau travail. Oui. Mais dans le domaine différent, parce Qu'est-ce qu'elle est ton que travail? je suis pharmacienne. Oui. Avec la pandémie, j'ai changé toute ma visage sur ma visage, non, Vision? ma vision. Ma vision sur mon métier, parce que l'exposition aujourd'hui, principalement pour ma famille, c'est un peu dangereux. Pour ça que j'ai abandonné
mon métier. Et j'ai commencé un nouvel. Quel est ton nouveau métier? La technologie. Tu travailles dans la technologie. Oui, Mais j'ai fait un cours pour d'informatique. oui. Et j'ai commencé août de l'année dernière. Ah oui. Oui. Août, c'est le mot qui pour moi change toute ma vie. Parce que quand tu es entré dans le cours, ça a changé aussi ta vie, je crois. Oui. Oh, très bien. J'ai commencé cette cours et cette semaine, j'ai commencé à travailler dans une entreprise d'informatique. Ah, bravo. Et je vais utiliser nouveau métier, né? Ton Ce nouveau nouveau métier. métier pour faciliter d'aller au Canada. Oui, parce que les gens qui travaillent dans l'informatique, c'est très bien pour aller au Canada. Oui. Mon mari, il est déjà un informaticien. Bien. Et je pense qu'à la fin de mon cours, je pourrais Très bien, parce que postuler pour un poste de travail, parce qu'il y a beaucoup d'offres de travail là-bas sur l'informatique. oui, pour l'informatique, Et le cinéma, les publicités, etc. oui. Et avec le français, tout ça va Tout passer devient plus un simple. peu plus facile pour moi. C'est peut-être une meilleure façon même de partir au Canada, au lieu de partir en Ouais, tant qu'étudiante, de partir en résidence permanente avec un travail et tout. C'est très bien. c'est mon objectif aujourd'hui. Et tu habites à Florianópolis? Florianópolis, Oui, oui. et comment est la ville de Florianópolis maintenant avec la situation du Covid? Ça doit être bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Aujourd'hui, c'est mieux, mais les écoles à retourner, c'est toutes les choses parce que mon fils a retourné à l'école, est retourné à l'école. Comment il s'appelle, ton fils? Caillot. Caillot. Et Caillot Oui. est retourné à l'école. Oui. Et il y a beaucoup de restrictions encore, mais la situation est un peu plus. Stable. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui. Un peu plus tranquille. Et un peu tranquille. Mais ça commence l'hiver. Dans cette période aujourd'hui, la température a changé tellement. Il y a beaucoup de vent et pour ça que les problèmes de respiratoires Augmente. augmentent beaucoup dans cette période. Et pour ça que la ville a commencé à faire un peu passe toute la population un peu d'informations, beaucoup d'informations pour rester chez vous, pour maintenir la distanciation. Oui, je pense que tu as un problème de. Oui. Ça a coupé. C'est revenu, tu es revenu. Donc, il y a tout un mouvement pour que les gens restent à la maison, que les gens Oui, prennent le soin. et les vins ici, Le vent, le le vent. vin, oui, le vin ici, il est tellement fort. Il est très fort, le vent. Oui, c'est ça, ça s'appelle les vins du sud. Il augmente beaucoup, il baisse beaucoup la température La sensation et thermique, probablement. oui, la sensation thermique, oui, c'est vrai.
Mais il faut que tu t'habitues, parce que si tu veux partir au Canada, tu vas devoir être habitué à la sensation thermique de Ah basse ouais. température. Mais c'est différent. Parce que Ouais. là-bas, tous les lieux, toutes les chambres et n'importe quel lieu tu vas, Tout est là, préparé. oui, tout est préparé. Il y a des vêtements propres. C'est différent. Et ici, je t'ai dit que j'ai un ami qui est passé 6 mois aux États-Unis, dans une région très, très, très froide, et moins 20 degrés. Et il m'a dit qu'il passe froid plus ici que Ah, il là-bas. a plus froid au Brésil qu'aux Oui, États-Unis. Il a plus froid il au est plus Brésil. froid ici au Brésil qu'aux États-Unis. Impressionnant. Et il est de Floride en plus aussi. Impressionnant. Et Amanda, parce que tu as accès encore au cours jusqu'au mois d'août, tu as accès encore à notre plateforme du cours, etc. C'est ça, non? Tu es du groupe 7, tu as accès. Tu as accès à la plateforme. Est-ce que tu continues de temps en temps à regarder des cours bonus ou non? Oui, j'ai tout, principalement les facs. Ah, J'adore les d'accord. facs. Ici. J'étais un. Ok. Un Pe cahier, comment cahier ça? pe petit, petit gros. Ici, c'est à l'envers l'image, donc je n'arrive pas à lire. Wow, tout est écrit. Et quel était... J'écris tous les facs. Wow. Et Amanda, quelle était ta plus grande difficulté quand tu as commencé, que tu parlais déjà un peu de français parce que tu avais fait 6 mois? Comment tu te sentais? Non, je n'ai parlé rien de français, mais j'avais une facilité d'écouter parce que après comme j'étais commencé les cours, j'écoutais beaucoup, même si je ne savais rien, qu'est-ce qui se passe. Mais j'essaie d'habituer avec l'accent, avec les particuliers de la langue. Mais je savais seulement un peu de grammaire. Un peu de grammaire. Mais je t'ai dit que la différence pour moi, c'est que là, j'ai fait les cours débutants seulement 2 fois. J'ai Oui. pensé, non, je ferai l'intermédiaire parce que je devrais évoluer mon français. Je vais faire quelque chose, même si je ne savais rien. J'ai fait, et pas, je pense que 1 mois et demi. Et tu as commencé à Et prendre avancée après. oui, j'ai passé à l'avancée. Dans cette période, dans cette époque, le support, c'était Ivy. Yves, oui. Yves. Et j'ai parlé beaucoup avec elle. Et j'ai passé à faire les cours d'avancée. J'ai envoyé à elle. Ivy, si avait une chance de faire un cours avancé Plus. plus que quelqu'un a désisté, dites-moi, je vais faire n'importe quelle heure. Et quelle heure je vais faire. Et pour ça qu'elle m'a demandé, il y a un or, tu vas faire, je vais. Et j'ai Excellent. fait beaucoup de fois dans les cours avancés, même si je n'avais la sécurité de la langue, mais
Je me souviens des profs, comment s'appelle? Sofia, Caroline, Non, de Curitiba. Marcelo. Marcelo. Il me voit beaucoup de fois, il m'a dit, Amanda, je Tu es toujours là. que toi. Oui. Il y a des fois que j'ai fait les cours seul parce que des autres élèves désistent de Manquer le la cours dernière fois, la à la dernière dernière minute. minute. Et j'ai fait un cours seul. Il m'a dit, OK, nous allons de Québec. OK. Oh, allez, allez. Il nous a changé beaucoup d'informations et pour ça que cette période pour moi, c'était tellement la changement de comment on peut dire, de la chave, comment Ça n'existe pas cette expression exacte en français, mais c'est comprendre, capter quelque chose. Oui. Que j'ai commencé, oh, j'ai compris. Et je peux parler. J'ai commencé à lire beaucoup. Et aujourd'hui, je peux lire avec une facilité que je n'ai jamais pensé Très bien, Amanda, très bien. de Est-ce que tu écris ou non, jamais? vie. Oui. Oui, écrit, oui, parce que j'écris, parce que j'écris toutes les facs D'accord, dans mon cadeau, recopie fac. mais faire des phrases, faire des textes, non, non, c'est une D'accord. chose que Il te manque. je suis une personne qui je parle, j'écoute, j'écris peu, presque portugais. D'accord, même en portugais. Même portugais, pour ça que j'adore parler, changer d'informations avec les personnes. Excellent. Et Et ça se voit, tu communiques très très bien. J'imagine que tu communiques comme ça en portugais aussi. Mais en français, c'est très très bien. Et je vais ouvrir les commentaires. Il y a pas merci. mal de gens. Mais. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da aula de conversação da Amanda? Que é a Amanda? Vocês estão vendo que eu não preciso nem orientar a conversa. Isso é muito massa. Eu dou feedback aqui em português, mas eu poderia dar tranquilamente em francês também. E é um orgulho imenso, porque não só a Amanda é uma ativadora, como ainda tem outro ponto, que às vezes as pessoas falam assim: ah, eu parei de fazer meu curso de francês, e aí eu esqueci tudo. E a Amanda. Cara, ela tá contando aqui o quão ativa ela ainda é com o francês. Ela é da turma 7, que terminou no começo de 2020, né? Então faz mais de um ano que você terminou o programa. Mais de um ano. Oui, E o francês já. j'ai fait un 6 mois, non, 5 mois, je pense, les cours. Você terminou. Je n'ai pas terminé mes, Classe? En groupe ou mes individuel? classes de conversation en groupe. J'ai Mais alors, il faut découvert terminer. la mois dernière que j'ai trois. Alors, bonne chance. Bonne chance. Terminei. E isso é muito massa, assim, a Oui. frase que você falou em determinado momento, você falou, le français, c'est comme un bras. É como um braço para mim, né? Já faz parte da minha vida. E é isso, tipo, é não aprender francês para ir numa aula de francês, para falar francês, mas é viver a língua francesa, ter a oportunidade de fazer amizades, como você fez, ter a oportunidade de criar projetos e descriar projetos, inventar outros projetos. Donc, c'est excellent, Amanda. C'est un plaisir de te parler et d'écouter ton français. Il y a très peu de choses à te corriger. Les peu de choses qu'il y a à corriger sont plus des questions de vocabulaire. Donc, Oui. e aí, galera, vocês que estavam assistindo aqui, contem pra gente o que vocês acharam da aula da Amanda. E é isso, né? Muito massa, porque dá pra perceber que você lê, que você se coloca em movimento na língua. E eu te perguntei essa pergunta aqui no final sobre texto, porque é a coisa que normalmente as pessoas ficam com um pouco de preguiça e não fazem sozinho, porque a gente não pega e escreve um texto sozinho pra si mesmo, né? A não ser pra, sei lá.
Oui, mais mon portable Il est est en tout en français. français, tout en français. Il y a depuis 1 an et demi que j'ai fait. Non, c'est français dans ma vie. C'est très bien, très très C'est bien. tout ça. Et aujourd'hui, mon mari m'a dit, ton LinkedIn, tout écrit en français. Oh, mon Dieu. C'est bien, c'est pour trouver un travail au Québec. Oui, c'est pour ça que j'étais de changer parce que l'entreprise que je travaille, je devrais pas écrire en portugais, j'ai changé. Okay. Mais toutes les choses, j'étais en difficulté. Beaucoup de fois pour parler portugais parce que